Bienvenue tout le monde pour l'épisode 134 de ma carrière sur WWE 2K16, à seulement quelques instants de vivre le pay-per-view Money in the Bank. Et vous m'inquiétez un petit peu parce que dans l'épisode 132, je viens de lire les commentaires, beaucoup de gens ont l'air de paniquer en me disant, Kev, il faut pas que t'aies partenaire pour être dans le match Money in the Bank. Ah, pas de panique. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de larguer Finn Balor. Pas sûr que je l'ai à SmackDown d'ailleurs, parce qu'on est encore plutôt pas trop mal. Hein. On a un petit rectangle bleu. Peut-être que ça va retomber à zéro après ce match-là et que René va peut-être me demander si je veux rester avec Finn Balor. Peut-être que je pourrais dire non, Finn, c'est fini entre nous. Je lui briserai son petit cœur et puis... On verra bien. Hop là, Shooting Star Press, tranquillement, à l'extérieur. On verra bien. On croise les doigts et les orteils, au cas où. Du coup, vous me faites peur. Ah, ça... Et puis, ça sert à rien de me spoiler, hein. Franchement. On verra bien si j'ai le match Money in the Bank. Si je l'ai pas, bah, ce serait dommage. Mais ça va, je me sens bien, je me sens très bien. Allez, on étrangle. Oh non, c'est même pas un étranglement de Ryback, c'est les doigts dans les yeux. Voilà. Un petit coup de fourchette là dans les yeux, c'est assez vicieux de ma part. Et j'affronte Ryback, champion intercontinental. J'ai eu une rivalité avec lui que j'ai gagné. Il m'a attaqué ce mois-ci, il voulait de nouveau être mon rival. Plutôt rancunier, le big guy, hein. Bien sûr, j'ai refusé. Et comme pour Sheamus, qui m'avait attaqué un peu plus tôt dans le mois, j'affronte Ryback pour me venger. Ou du moins pour tenter de me venger. Ah, la descente des avant-bras était esquivée par Ryback. Non, si j'ai voulu porter un coup de pied, mais je me suis trompé de manipulation. Ryback me relève. Ouais, je pense qu'au niveau des contres, je peux y aller. Hein. Par contre, attention, niveau timing, il faut le faire. Voilà, parfait. Ryback a été contré. Et pourquoi? C'est ça qui est parfois frustrant, c'est vous appuyez sur A, mais votre superstar était dans une animation qui l'a bloqué, qui l'empêchait de faire n'importe quoi. Et votre pression sur la touche A ou X, pour ceux qui sont sur PS4, eh bien, n'est pas prise en compte. Résultat, moi qui avais un contre d'avance sur Ryback, on est désormais égalité. Et même, maintenant, si je contre, c'est Ryback qui a l'avantage. Donc, à ce niveau-là, mieux vaut que j'attende que mon troisième contre se recharge, en espérant que ça arrive avant le 100% de momentum pour Ryback. Et en plus, j'ai 66,6% de momentum. C'est démoniaque. Voilà, j'ai gagné 15% avec ce dégagement. Aouh! Ce coup de pied de Ryback était monstrueux. Vicieux, vraiment terrible, dévastateur. Ouh, attention Ryback qui parvient à contrer mon attaque. Non, j'ai... Je suis trop petit. Bon, ça ne se passe pas si bien face à Ryback, malheureusement. Quelques petites erreurs de ma part et me voilà en difficulté. Attention, peut-être avec la mid-hook clothesline que je n'ai pas réussi à contrer. Ryback à la main dans ce match. Ne te loupe pas. J'ai toujours cette petite frayeur au moment où je presse le bouton. Ce doute qui me frappe. Cette question qui me harcèle. Ai-je appuyé trop tôt, ai-je appuyé trop tard? Mais non, c'est bon, j'ai résisté. J'ai survécu. Oula, coup de pied un petit peu bas quand même pour ce Shining Wizard. Allez Kev, ah, par contre là Ryback m'embête beaucoup parce que niveau attaque aérienne, je peux rien faire, sinon je me fais surprendre par un shell shock. Voilà, downward spiral. Et c'est trop tôt pour le curb stamp, donc je vais poursuivre mon effort. Voilà, DDT. Ça tu peux pas contrer avec, voilà, ton shell shock.
Eh oui, tout à fait, Jerry, that was a great move. Super prise, le Phoenix Splash. J'attends que Ryback se relève. Il se relève très péniblement. Il va bouffer ma Vexplex. Oh oui, il va la bouffer et il la bouffe. Et attaque en courant. Alors, pour les attaques en courant, il faudra m'expliquer parce que là... D'accord. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les attaques au sol en courant, elles passent pas très bien en général. Oh, magnifique. Magnifique bombe. Bah, c'était une Thunder Bomb, je crois. Ryback se relève. Péniblement, bien entendu. Coup de pied contré par le Big Guy. Attention, il pourrait tenter le Shell Shock. Oh non, il n'a pas tenté le Shell Shock, il a tenté. Oh! Une prise qui partait sur un military press, pardon. J'ai réussi à m'en sortir. Ouh, Ryback qui fait preuve d'agilité. Et Ryback qui fait preuve de volonté de finir ce match, pardon. Et j'ai même pas eu de touche de contre pour... Là je l'ai eu. J'ai eu l'indication et j'ai loupé l'occasion de contrer Ryback. Avec le Shell Shock, cette fois-ci ça passe. Je ne prends aucun risque. Avec le dégagement. Avec la technique révolte. Bah je l'ai, autant l'utiliser. Hein. Franchement, on ne peut pas me permettre de perdre avant le match Money in the Bank. Qui sait, peut-être que ce match est officieusement un match de qualification. Et ouais... Je spécule, je sais, mais bon, oh. Il faut bien que je tente des choses. J'y crois, moi, j'y crois. Ryback, de nouveau debout. Ryback, au sol. Voilà, avec une bonne prise d'élan pour lui coller mon genou dans la mâchoire. Lui qui dit toujours « Feed me more », et bah je t'ai donné mon genou à manger. Reste à terre. Ou comme dirait Chris Jericho, stay down. Quoi, il contre ça, je voulais juste le retourner. Bon bah heureusement que j'ai pas tenté directement le curb stomp, il me l'aurait peut-être contré. Match plus compliqué que prévu. Face à Ryback. Qui est remonté comme un coucou. Ouh. Et qui porte un coup de genou à son tour. Il m'en veut, hein. Il m'en veut de l'avoir battu lors de notre rivalité. Mais il contre encore ce truc, je veux juste le retourner, c'est quand même pas insurmontable, retourner Ryback. Si j'arrive à retourner Undertaker pour lui porter un Tombstone, je peux très bien retourner Ryback au sol, le faire rouler, genre comme ça. Voilà, je peux même le traîner pour l'éloigner des cordes. Oh, mais c'est pas possible. Est-ce que tu vas rester à terre? Voilà, Swinging Neck Breaker. J'espère que ça t'a calmé. Le Swinging Neck Breaker qui a remplacé le Famouser. Et Ryback a contré ma tentative de curb stomp. Voilà, saut chassé. Du coup, j'en ai marre. Il m'a énervé. Voilà, Anakin Device. Et abandon de Ryback. Voilà. Fallait pas m'énerver. T'as contré mon cup stamp. Tu l'as payé autrement. Et oui. Il faut toujours se méfier d'un Kev Breaker énervé. Au niveau de la tête, il avait subi de nombreux dégâts. Donc... La prise de soumission avait toutes les chances de réussir. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis je ne pouvais pas risquer de continuer le match et de peut-être me prendre un autre Shell Shocked qui m'aurait fait perdre. Très probablement. Donc, ça a été l'Anacon Device. Petit hommage à CM Punk qui a été bien courageux. Et très émouvant également. J'ai vu, et bien sûr, son interview d'après-combat. Mais j'ai également vu sa conférence de presse d'après événement UFC 203.
Et je le trouvais vraiment très émouvant, surtout lorsqu'il évoquait sa femme, donc AJ Lee. Donc un homme que j'ai vu sous un angle différent. Vraiment très humble, très très serein à vrai dire. Et très 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 ému et très émouvant. Voilà, donc c'était pour toi CM. Je vais l'appeler Phil, allez, je vais l'appeler Phil. Parce que dire CM, ça fait un peu bizarre quand même. Bon, ça c'était pendant les replays, le petit instant émotion. Et il nous reste à découvrir si oui ou non je participe au match Money in the Bank ou si j'ai un match par équipe avec Finn. Ce qui serait vraiment pas le bon moment du tout. Aïe aïe aïe. Ma relation avec Finn ne s'est pas dégradée donc apparemment. Je n'aurai pas l'occasion de briser l'équipe. Vais-je quand même avoir ma place dans le match Money in the Bank? Je serais assez dégoûté si je ne l'avais pas. Non, sans blague. Mais c'est formidable. Mon rang a augmenté. Je suis désormais 6e dans le classement pour le titre mondial. Ça pourrait me servir si je ne participais pas au match pour la mallette. Donc c'est toujours bon à prendre. Je prends. Oh, et je suis juste derrière un certain Seth Rollins. Dans les autres matchs de SmackDown, Big Show a battu Mark Henry, Bad News Barrett a battu Adam Rose, Sami Zayn a battu Neville, les Prime Time Flyers ont battu Curtis Axel et Damien Sandow, Bray Wyatt a battu Chris Jericho, Daniel Bryan a battu Kane, et je suis intervenu dans le main event entre Brock Lesnar et Triple H. J'ai été du côté de Triple H pour l'encourager, pour remplir l'objectif qui m'avait été fixé par l'autorité, et aussi pour, par ailleurs, montrer un petit peu à Brock que je voudrais avoir son titre. Bon, après, pas sûr qu'il soit champion après Money in the Bank, mais bon, on sait jamais. Et aussi d'être un petit peu du côté du patron, voilà, histoire d'avoir une petite faveur, hein, genre... Voilà, à la fin du match, tu vois, tu m'as dit merci Kev, c'est bien, tu m'as aidé, c'est bien. Et puis moi, merci patron, franchement, c'était rien, c'est pas comme. Non, franchement, je ne demande aucune reconnaissance, même pas une place dans le match Money in the Bank, non, c'est pas nécessaire, franchement. Franchement. J'ai livré de grandes batailles, j'ai connu des défaites. Mais j'ai également obtenu de grandes victoires. J'ai battu Kevin Owens, Finn Balor, Triple H, The Rock, John Cena, Undertaker, Brock Lesnar avant même qu'il ne devienne champion du monde, et même Seth Rollins lorsqu'il l'était. Pourtant, ai-je déjà gagné le titre de champion du monde de la WWE? Non. M'en a-t-on seulement donner l'opportunité? Non. Alors, c'est à moi d'aller la décrocher. A Money in the Bank. Nous y sommes. Boston, dans l'état du Massachusetts, pour Money in the Bank. The following six-man contest is a ladder match, making his way to the ring from France, Ken Tucker. Ce n'est pas qu'un simple match d'échelle, Liliane. C'est le match Money in the Bank. C'est bien plus qu'un match d'échelle, car là-haut se trouve une mallette qui va permettre à celui qui la décrochera d'avoir un match pour le titre de champion du monde de la WWE à n'importe quel moment. Et c'est ma chance, c'est ma plus belle chance pour avoir un match de titre. Ce serait beau de devenir Mr. Money in the Bank et de poursuivre avec une victoire, avec donc cette mallette pour obtenir un match.
Car gagner la mallette, c'est une chose. Gagner le match après avoir encaissé la mallette, c'est autre chose. Bon, normalement, ça devrait pas être trop difficile, surtout si on attaque un champion qui est déjà affaibli après un match épique qu'il a eu. Le tout est d'avoir un bon timing. Je connais bien le Big Show, ouais, on a eu quelques matchs ensemble et il me semble avoir affronté au moins une fois tous les adversaires que j'ai dans ce match. Oui, Seth Rollins, c'est sûr, hein, il n'y a pas de doute possible. Sheamus, bien entendu. Roman Reigns, il me semble l'avoir affronté également, oui. Oui, et je crois que j'en oublie un. On les verra arriver au fur et à mesure parce qu'on va profiter de toutes les entrées. Je me fiche totalement de la longueur de l'épisode. C'est officiellement un épisode spécial. Parce que le match Money in the Bank, c'est pas tous les jours que ça arrive. Dean Ambrose. C'est Dean Ambrose le dernier, pardon. Ancien partenaire en plus. Bravo Kev. Ah, navré. Tout s'explique désormais. Sheamus m'a attaqué ce mois-ci. Je pensais que c'était parce qu'il voulait un match en 1 contre 1. Non. Il savait que j'étais un candidat pour le match Money in the Bank et il voulait peut-être me mettre hors d'état de nuire. Il voulait me mettre hors course pour augmenter ses chances de décrocher la mallette. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Et il s'est dit, tiens, lui, c'est peut-être un gars qui va être dans le match Money in the Bank. Peut-être que l'autorité avait déjà décidé que je serais dans le match Money in the Bank. Et peut-être s'est-il dit, tiens, c'est le plus petit, c'est le moins costaud. Je vais tenter d'éliminer. Ça me facilitera un petit peu la tâche. Ça me fera un gars de moins dans les pattes. La tension est palpable. Ah, je suis super content. Mais vous m'avez fait peur à me dire qu'il fallait pas de partenaire pour être dans le match. Hein ? Bah, quand on sait pas, on se la ferme. Voilà. J'ai eu peur, alors j'ai le droit de vous en vouloir quand même. Non mais... En tant qu'ancien membre de The Asylum, j'ai le droit de faire des choses complètement folles, comme vous en vouloir ouvertement. Pour m'avoir raconté des bêtises. Et en parlant d'anciens membres de The Asylum, en voici un autre, Dean Ambrose, ancien champion par équipe, avec un certain Kev Raker. Et oui, ce sont les retrouvailles, enfin, d'autres retrouvailles avec Dean, parce qu'on s'est même encore affronté bien après la fin de The Asylum. Et Dean Ambrose a lui aussi une chance de décrocher la mallette, tout comme cet homme. Bien sûr, il y a deux anciens membres de The Asylum dans le match, mais encore plus sérieux, il y a les trois anciens membres du Shield. Est-ce qu'on pouvait rendre ce match encore plus énorme? Ouais, on aurait peut-être pu mettre Daniel Bryan dans le match, pourquoi pas. Alors Randy Orton n'est pas dans le match, mais en revanche, c'est lui qui a affronté Brock Lesnar pour le titre WWE. Ah, je vous ai pas dit, parce que le match Money in the Bank, là, celui qu'on va faire, celui qu'on va vivre ensemble, eh ben c'est le main event. Eh ouais. Bon, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, hein, dès qu'on est dans le match Money in the Bank, c'est le dernier match. Et je sais pas quel est le résultat, j'ai fermé les yeux pour pas savoir avant de commencer le match Money in the Bank. Bon, ce qui est un petit peu ridicule, parce que bon, je pense que les autres le savent.
Oui. Je pense que mes adversaires ont tous regardé le pay-per-view au fur et à mesure qu'il se déroulait, donc ils doivent savoir qui a gagné entre Brock Lesnar et Randy Orton. Ah ouais, j'aurais dû regarder, pardon. Bon, c'est pas grave, parce que je me suis dit, oh, eux, je vais pas leur montrer tout de suite, donc moi, je vais pas me le montrer tout de suite. Plutôt sympa comme mec, hein. Franchement, j'aurais pu regarder. En plus, j'ai le droit, j'aurais eu le droit de le faire, parce qu'après tout, je participe au match Money in the Bank, donc j'ai un petit peu le droit de savoir qui est champion du monde, parce que je suis un tout petit peu concerné. Bon, bien sûr, je ne suis pas non plus complètement concerné, tant que j'ai pas la mallette, mais bon, quand même, je suis dans le classement pour le titre mondial, et nous y sommes, tout le monde est prêt, moi, Ambrose, et les autres. Voilà, c'est sympa, gros plan sur moi, gros plan sur Dean Ambrose, hein, peut-être les deux favoris du match, ce qui serait logique, hein, après tout, avec Dean, on a plutôt bien défoncé toute la division par équipe, et ce match est tellement tendu, l'électricité est tellement... présente dans l'air que le chapeau de JBL est déjà par terre. On ne l'a même pas vu tomber. Voilà, Sheamus qui s'est fait dégager du ring par un Kevraker qui veut prendre des risques et qui fait n'importe quoi surtout. Allez, jette-toi sur Sheamus. Oh, le saut chassé pour amener Sheamus au sol. Est-ce qu'il y a des échelles? Non, c'est une chaise. Oh non, c'est pas drôle, je veux pas utiliser de chaise moi. Non, c'est un match d'échelle. C'est pas un match d'échelle, de chaise, quoique il y a un escalier. Bon, allez. Non mais Kev, sois pas stupide. Ah mon dieu. Bon, on a Big Show qui est en train de piétiner Dean Ambrose. Roman Reigns qui écrase Seth Rollins. Allez Kev, il faut que tu ramènes une échelle supplémentaire. Est-ce qu'il y a une échelle sur le côté du ring ici? Je ne sais plus. C'est peut-être la batte. Non, c'est une autre échelle. Parfait. À la bonne heure. Hop là! Ouh, le saut chassé sur la face de Sheamus! J'ai failli être un peu court, mais j'ai réussi à le toucher. Et j'ai peut-être aussi renversé Reigns au passage. Voilà, j'ai plutôt bien poussé Big Show. J'attaque son bras et Rollins s'en prend à mon ancien partenaire, Dean Ambrose. Allez, Russian Egg Sweep sur Big Show! Attention, l'escalier n'était pas loin. Rollins qui porte une magnifique souplesse à Dean Ambrose. Et j'en profite! Eh oui! Rollins n'était pas vigilant, il ne m'a pas vu arriver. En même temps, c'est un petit peu compliqué dans un match de l'échelle. Oh, belle esquive de Rollins, attention à la souplesse, full Nelson souplex. Bon, pour l'instant ça va, je gère pas trop mal. Je suis celui qui a subi le moins de dégâts, attention à Reigns cependant, qui m'amène au sol. Et le Big Dog là qui me... fracasse le crâne avec son coude. Olé, Reigns. Olé. Voilà. Boum. La Thunder Bomb sur Reigns. J'ai une échelle entre les mains, Reigns. Et toi, tu as entre les yeux. Oh, magnifique prise de Seth Rollins. Bim. Est-il temps peut-être? Non, mais Superstar a dit que non. Il n'était pas temps d'aller grimper sur cette échelle. Oh, quel gâchis. Quel gâchis. Tout le monde était à terre et j'ai raté l'occasion de grimper à cette échelle pour toucher la mallette. Ne serait-ce que la toucher, l'effleurer, goûter un petit peu la victoire, même si je ne l'ai pas complètement. Sentir son odeur. Aïe, aïe, aïe. Allez. Bon, on a toujours Big Show qui est en train d'essayer de massacrer ce pauvre Dean Ambrose. Pendant ce temps-là, Rollins est en train de détruire Sheamus. C'est pas du tout ça que je voulais. Est-ce que je peux lui balancer l'escalier sur la tronche? Ah, j'ai tenté. Non, je veux pas faire ça. Attention à Reigns qui remonte sur le ring. Je l'attrape. Voilà, il fallait que j'aie l'avantage sur Reigns. Ambrose a failli se barrer, je crois. Ouh, la souplesse sur l'échelle. Oh, le Frog Splash de Rollins. Je ne me fais pas surprendre par Seth Rollins. C'est lui qui se... Ouh non, il a réussi à me surprendre. Il a bien esquivé mon coup de genou. Et il porte un Michinoku Driver. Ouh, Sheamus et Ambrose ont été balancés à l'extérieur.
respectivement par Roman Reigns et Big Show. Big Show qui me balance une échelle sur la tronche, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, je suis indigné. Oh là là, je suis un très bon acteur. Allez, Rollins est au sol. Je suis déçu parce que j'aurais peut-être pu avoir un finisher. Allez, voilà, Rollins était sur le tablier. Je viens de l'en dégager. Coup de poing de Big Show là, dans le bas du dos là. Limite dans les reins là, j'ai l'impression. Là, Big Show m'a compressé le rein, c'est. Ou comprimé, compressé, ouais, peu importe. Il m'a comprimé le rein. La descente de Dean Ambrose, j'ai pas trop vu quelle descente c'était. Brise nuque sur Rollins, c'est le moment, Kev. C'est le moment, t'as personne pour te barrer la route. Ah, si, il va y avoir Ambrose. Il va y avoir Rollins aussi. Il faut que je me fasse mon petit ménage là sur le ring. Attention à Dean. Voilà, on décroche Dean Ambrose. Il évite la souplesse. Bien joué. Non. Je sais que l'autorité veut que je me fasse taper, mais ma victoire, enfin la victoire prioritaire pour moi. Bim, DDT. Attention à Sheamus qui revient sur le ring. Je vais de mon côté éliminer. Je voulais éliminer Ambrose. Sheamus m'a fait perdre. Il m'a fait perdre mon coup spécial. Il me massacre avec cette échelle. Quel dommage. Sheamus qui est revenu sur le ring pour perturber mes plans. Le deuxième R est un petit peu passé à la trappe. Oh la vache, c'est terrible. Reigns avec le DDT sur Big Show. Pendant ce temps-là, je me fais massacrer par Dean Ambrose. Je suis encore celui qui a la meilleure santé quand même. C'est quand même pas rien. Big Show est à terre, Sheamus est à l'extérieur. Reigns et Rollins sont en train de se battre. Ambrose est également sur le ring. Il est en train de danser face à moi pour me narguer. Un petit peu d'arrogance de la part du Lunatic Fringe. Attention à Sheamus. Attention, ouais, je l'ai vu, Sheamus. Je l'ai vu, mais j'ai pas réussi à le contrer. Attention. Ça c'est bien. Attention, Kev. Oh mince, Big Show est revenu. Je me suis dit, je suis presque tout seul sur le ring. Mais Big Show, lui, avait vu que j'allais peut-être être tout seul. Il a donc fait ce qu'il fallait pour que ce ne soit plus le cas. Attention, Big Show qui a projeté Ambrose dans les cornes. Rollins qui me balance une échelle. Merci, Seth. Non, Kev, faut que tu fasses quelque chose de malin, là. Faut que tu frappes quelqu'un. Voilà, j'ai frappé Sheamus. Voilà, j'ai frappé Reigns. Voilà, j'ai frappé Big Show. c'est comme ça qu'il faut faire, hein, pour gagner. Qu'est-ce que ma superstar m'a fichu, quoi. Allez, Kev. Ne faiblis pas. Voilà. Allez, Kev. L'échelle est pas bien placée. Purée, c'est une plaie à placer, cette échelle. Et elle se replie toute seule, mais c'est... Grosse difficulté du match Money in the Bank, j'ai l'impression. Hein. Bien placer l'échelle. L'empêcher de se replier toute seule. Allez, c'est pas grave, le match se poursuit. Shiranui, Big Show qui s'est bouffé l'échelle. Dites-moi ce que vous voulez, mais je suis certain, on va dire que Big Show s'est bouffé l'échelle, tout simplement. Allez, Downward Spiral sur Roman Reigns. Allez, il faut faire le ménage, il faut quand même mettre toutes les chances de son côté. Sheamus va éliminer Rollins. Le White Noise. Et moi, j'élimine Sheamus. Rien à faire, j'élimine Sheamus. Big Show est déjà debout. Rollins. Rollins s'est pris Roman Reigns. Mais c'était pas la volonté de Roman Reigns parce qu'il s'est pris une powerbomb de Dean Ambrose. Non, ça va pas manquer ça, Kev. Mais non, Kev, qu'est-ce que tu fais? Mon double virtuel qui fait un tout petit peu n'importe quoi. Bon, je vais remonter sur le ring. Je vais souffler un petit peu parce que je suis un petit peu fatigué. Non, Seth, elle est derrière toi, l'échelle. Voilà. Merci, Dean, c'est gentil. Oh, c'est gentil, Dean, de me laisser la place. Voilà, au revoir, Seth. Bonne nuit, Dean. Purée, mais il fait... Ma superstar fait n'importe quoi avec cette échelle. C'est terrible. C'est un drame. Non, l'échelle est encore très très mal placée, donc on va taper Seth. Et ma superstar n'arrive pas à cibler. Seth Rollins avec le brise-nuque, avec un départ en souplesse. Big. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait, Seth? Oh oui, le pedigree. Sheamus.
qui m'a bien involontairement sauvé d'un pedigree de Seth Rollins. Ou Big Show. Big Show. Big Show qui me ciblait mais qui s'est finalement acharné sur Sheamus avec un choke slam. Donc il faut pas que tu fasses non plus trop de bêtises. Je tente. Rien à faire, je tente. Le match a été bien rempli. J'espère que tout le monde est trop occupé pour pouvoir tous les duper avec une éventuelle victoire, non? Oh oh. Oh oh. Oh, powerbomb de Roman Reigns. J'ai qu'un mot à dire. Ouch. Et je me fais balancer à l'extérieur. Reigns aussi. C'est pourtant pas une bataille royale, une bataille royale. Ouais, très bien. Une bataille royale, ni un Royal Rumble. Ouh, la souplesse de Sheamus sur Seth Rollins, sur le ring. Ce match va peut-être durer une éternité, mais c'est tellement... Voilà, c'est un épisode tellement important, c'est un match tellement important. On ne peut pas s'en plaindre. Et puis vous aimez bien les gros épisodes de catch, hein. Vous me l'avez suffisamment répété, je le sais. Ou le bel enchaînement sur Sheamus, sur Big Show, parce que j'ai vu Sheamus s'envoler à l'extérieur, tout ça pour s'empaler sur le pied de Rollins, qui lui a porté un énorme pedigree. Non, 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 non. Ouh, je me suis pris une échelle dans la figure. Magnifique pedigree hein, de Rollins à l'extérieur sur Sheamus. Puis on a 4 échelles dans ce match. 4 échelles. Big Show me relève. J'ai tous mes contres. Je pourrais contrer, je ne le fais pas pourtant. C'est pas volontaire. Et tout le monde est sorti. Ça y est, Reigns et Rollins ont compris qu'il fallait revenir sur le ring. Ah non, 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 hé, voilà, Sheamus est revenu. Me voilà rassuré parce que là... Non, 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 ça me rassure pas ça, ça me rassure pas. Attention, Big Show monte sur le ring. Sheamus va peut-être décrocher la mallette. Personne ne réagit, personne ne réagit. Big Show a réagi trop tard. Allez Big Show, attrape-le, attrape-le. Mais quelqu'un, oh purée. Heureusement que Dean Ambrose a fait tomber l'échelle. J'ai eu les super peurs. J'ai cru voir la victoire s'envoler. Oh non, Big Show, tu bouffes l'échelle. Toi aussi, Seth. My time. My freaking time. Bon sang, Sheamus est de retour. Non, je voulais pas cibler Dean Ambrose. Mince, 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 mince. Oh, j'aurais pas dû placer l'échelle. J'aurais pas dû placer l'échelle. C'est la porte ouverte à... Ouh, c'est bon. Oh purée, Reigns qui s'est fait écraser par Big Show. Ambrose s'est fait bazarder par Rollins. C'est le bazar à l'extérieur. Là-haut, en haut de votre écran, c'est le bazar. Il y a 3 échelles empilées avec un escalier. Attention à Rollins. Mince, j'ai pas fait attention à Sheamus. Ambrose, Dean, remonte sur le ring. Dean, remonte sur le ring. Dean, remonte sur le ring. Dean, bon sang, dépêche-toi. Ancien partenaire. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, Seth Rollins et Mr. Money in the Bank. J'ai encore raté l'occasion d'avoir un match pour le titre mondial. Enfin encore, non. Parce que j'étais pas encore... j'ai jamais été en position de demander un match. J'ai jamais été prétendant numéro 1, je suis numéro 6 là. Là, c'était ma chance, c'était l'opportunité rêvée d'obtenir un match pour le titre mondial. J'aurais dû me débarrasser le plus vite possible de Sheamus, remonter sur le ring. J'aurais pas dû le laisser faire, j'aurais pas dû regarder le match en attendant que mon quatrième contre se recharge. Mais bon sang, Dean! Ah, et je l'ai touché cette mallette. La défaite est encore plus amère quand on a eu un petit aperçu de la victoire. Ah, ah la vache. Ah.
Seth Rollins et Mr. Money in the Bank. Il a donc l'occasion de récupérer sa ceinture. Ceinture qui a été gagnée par Randy Orton contre Brock Lesnar. Allez, je vais tenter de prendre un air joyeux, bien que je sois hautement déçu. Grosse désillusion. Pour les quatre autres également, hein, les quatre autres perdants. Ah purée. Ça aurait pu être mon soir. Mais non. Pas cette fois. Daniel Bryan, donc, a battu Bray Wyatt. Bad News Barrett a battu Kane. Les Lucha Dragons ont battu Goldust et Stardust. Rusev a gagné un match triple menace contre Neville et Mark Henry. Kevin Owens a battu Sami Zayn. John Cena a battu Undertaker. Randy Orton est le nouveau champion du monde pour l'heure de la WWE après sa victoire contre Brock Lesnar. Et enfin, eh bien, voilà, on le sait, c'est Seth Rollins qui a la mallette. Encore. Quoique, encore. On est en 2018 dans le jeu. En 2017, je ne sais plus qui a eu la mallette. Ça n'a plus d'importance. Pourtant, je m'étais préparé. J'étais éventuellement prêt à porter des finishers du haut de l'échelle. Et ouais, parce que j'avais l'aptitude pour le faire. J'aurais pu faire des plongeons. Là aussi, j'avais l'aptitude pour le faire. Mais plus que tout, j'aurais pu peut-être décrocher cette mallette. Et si j'avais réussi, les choses seraient bien différentes maintenant, car je suis certes sixième dans le classement, mais ça paraît tellement loin. Tellement loin. Car Bray Wyatt, Big Show, Seth Rollins, Daniel Bryan et maintenant Brock Lesnar me barrent la route. Et bien sûr, il y a Randy Orton qui est le champion. Ah! Quelque part, j'aime bien cette histoire. C'est émouvant. Histoire d'un homme qui vit des désillusions. Car, certes, j'ai dit que la défaite est encore plus amère lorsqu'on a eu un aperçu de la victoire. Mais le jour, et si j'y arrive, bien sûr, c'est pas sûr, le jour où j'ai un match, ne serait-ce qu'une chance, lors d'un match pour le titre de champion du monde pour l'heure de la WWE, eh bien là, je serais heureux. Et si jamais, là, c'est encore un gros si je gagnais ce titre, la victoire n'en serait que plus douce. Car la victoire est beaucoup plus douce lorsqu'on a goûté à la défaite. Une amère défaite due à un petit aperçu de victoire. Ce serait une belle histoire, j'adore. Ah bon, une déception, mais bon, j'ai tenté ma chance. Je pense ne pas avoir fait une trop mauvaise performance. C'était un petit peu compliqué. Les matchs Money in the Bank, c'est toujours le bazar, et c'est bien évidemment ça que j'aime dans les matchs Money in the Bank. Certes, je n'ai pas gagné, mais il en fallait un parmi les six. Et le 1 en question, c'était Seth Rollins. Prochain pay-per-view Battleground, nous sommes en juillet 2018, pardon. L'autorité pour ce nouveau mois, pour ce nouveau match, me demande d'exécuter 3 prises sur l'adversaire, en l'occurrence Big Show, bien sûr. En dehors du ring, attention, Big Show est devant moi dans le classement. Un échec, mais hors de question de baisser les bras. On se retrouve très bientôt pour la suite de ma carrière sur WWE 2K16, dans ma quête pour le titre de champion du monde de la WWE. Salut tout le monde, à la prochaine.